Hassan Dahani est un réalisateur de talent. Au Maroc, il représente la nouvelle génération inventive. Son cinéma, proche de Kent Loach, pose son regard sur une société en pleine mutation économique et sociale. Après Basta, son premier long métrage de 2016, le réalisateur est venu faire quelques repérages dans le sud de la France pour une fiction en cours d'écriture. J'aime beaucoup cette région, il y a plein de belles choses. J'en profite pour faire de belles prises de vue. Je fais aussi des repérages de temps en temps, ça m'arrive de faire ça aussi dans mon pays. Je suis toujours accompagné d'un appareil photo pour faire de belles prises de vue, pour garder des souvenirs. Et là, j'ai vraiment vu de très belles choses. Je suis en phase d'écriture. Le parc national régional de Camargue, créé en 1970 à l'ouest de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est un site d'importance européenne et nationale majeure pour les migrateurs et les flamants roses. C'est également dans ce territoire que le film Crin blanc a été tourné en 1952, retraçant l'amitié entre un jeune garçon et un cheval. Un réalisateur, il donne un peu le sentiment de ce qui se passe sur son entourage. Alors il est là pour voir, regarder, observer, transmettre et tout ça. Et je ne sais pas à quel point j'étais fidèle dans mon film à transmettre ça. Il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui évoluent dans ma société, dont je veux parler. Basta pour moi, ça reste une très très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Ça me ferait très plaisir de venir tourner là en France. Il y a de très beaux paysages. Si j'ai une histoire qui peut être vraiment racontée ici, je le ferai. J'hésiterai pas. Hassan Dahani est aussi un passionné de photographie. Au cœur de la Camargue, à quelques kilomètres d'Arles, le réalisateur a pu découvrir les trésors d'une région encore sauvage, peut-être le futur décor de son prochain long métrage. J'étais à Grenoble, j'étais à Nîmes, j'étais à Arles, c'est extraordinaire, c'est une très très belle région. J'ai beaucoup aimé et je vois qu'il y a de belles histoires à raconter dans ces décors-là. J'espère que je serai en mesure de tourner ici un jour. Je parle des problèmes que je vois, je parle de la vie des gens, des gens que je rencontre. Et ça fait partie de moi-même, ça fait partie de mon entourage, ça fait partie de ma vie. Et je pense que le cinéma est un bon moyen de parler de tout ça. Et je pense que tant qu'on est sincère, tant qu'on est crédible, ça touche les gens. Et c'est ça. C'est ça.